Ça me fait de la peine, parce que quand je parle des hôpitaux surchargés, les vidéos elles bident, parce que tout le monde s'en fout des hôpitaux qui sont surchargés. Sauf que les gens ne comprennent pas que les hôpitaux sont surchargés, parce que déjà il y a 1 milliard de migrants qui sont pris en charge gratuitement, payés par nos impôts, et qu'il y a des victimes à cause de ça, parce qu'il y a des Français qui ne peuvent pas se faire soigner, et qui sont du coup victimes indirectement de l'immigration. Et là par exemple, il y a Lucas, 25 ans, qui est mort d'une septicémie aux urgences de hier dans le Var, après 8 heures d'agonie dans un couloir, tout seul. Horrible maman, horrible, avait-il écrit à sa mère. Un autre patient présent ce jour-là dénonce l'inaction des médecins. Je crois que les gens ils réalisent pas la dinguerie de ce que c'est un hôpital blindé où on peut soigner plus personne en France. C'est-à-dire que là on est en Afrique en fait, c'est-à-dire que t'es malade, t'as un rhume, t'es mort, parce qu'il n'y a plus de médecins. Je vous rendez compte du truc quand même? Et du coup, on va regarder un reportage de RMC qui dure quand même 5 minutes, où on va avoir divers témoignages de tout ce qui s'est passé. Et j'aimerais que les gens soient un peu plus sensibles à ça. Mais pourquoi est-ce qu'on parle des urgences? Parce que, il y a une famille, la famille de Lucas, 25 ans, qui est en train de porter plainte contre les urgences de hier, parce que leur fils y est mort après avoir vécu un véritable calvaire. Ça s'est passé fin septembre. Corinne est avec nous. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Merci. Vous êtes Bonjour la maman Amine. de Lucas mort après 10 heures d'attente aux urgences. Oui, c'est ça. En fait, il est rentré à 15h50 aux urgences. Il est décédé à 2h du matin. Pourquoi est-il rentré aux urgences? Il souffrait énormément au niveau de l'abdomen. Donc, il avait commencé à appeler SOS médecin, en fait, de chez lui. Et en début d'après-midi du samedi, quand il s'est vu de plus en plus mal, il a décidé d'appeler le 15. Et le 15, après 11 minutes d'interrogatoire, a décidé qu'il fallait pas attendre SOS médecin et qu'il fallait absolument aller aux urgences. Et donc, l'a fait transporter par les pompiers aux urgences. Donc là, ce qu'on appelle le diagnostic par le 15 a fonctionné. Il arrive Oui. aux urgences. Et que se passe-t-il aux urgences? Pourquoi là, ça ne va plus aux urgences, Corinne? Ben, en fait, une fois qu'il est arrivé aux urgences, Lucas avait 25 ans, donc c'était quelqu'un de jeune qui était en bonne santé. Il a été classé dans les éléments peu graves, en fait. Ça, il y a un tri aux urgences. Oui, allez-y. Oui, donc en fait, ils l'ont mis sur un brancard et puis ils l'ont laissé dans le couloir. Et en fait, ils s'en occuperont réellement qu'à partir de 21h30, il fait un grave malaise, il fera plusieurs arrêts cardiaques. Mais entre-temps, entre 15h50 et 21h30, il aura vu un médecin à 20h, ce qui fait déjà des heures d'attente, mais qui n'aura rien diagnostiqué, qui n'aura rien fait. Et jusqu'à son grand malaise, en fait, personne ne s'en occupe. Alors, il fait un malaise, donc vous dites vers 20h, il y a une auscultation assez rapide. Vers 21h30, il fait un malaise. Et d'ailleurs, on le sait parce qu'il y a le témoignage d'un malade qui était à côté de lui, c'est ça? Absolument. Mais en fait, à l'hôpital, si vous voulez vous faire soigner, faites semblant de mourir. Imaginez, vous êtes sur un brancard, vous vous allongez, voilà, et ne bougez plus et restez les yeux ouverts et faites exprès de vous baver dessus. Ils vont croire que vous êtes en train de mourir et vont s'occuper de vous. Je pense que c'est une bonne technique pour se faire soigner. Parce qu'en fait, plus c'est grave et plus on s'occupe de toi. Donc faites semblant d'être en train de crever. Sans déconner, premier degré, c'est une technique. Même une fois, je suis allé à l'hôpital. Enfin, c'était pas l'hôpital, c'était SOS médecin. C'est quand j'avais le Covid. J'en pouvais plus. Je me suis allongé par terre et j'essayais de dormir parce que j'en pouvais plus, quoi. J'étais HS. Et là, tout d'un coup, il y a un médecin qui s'occupait de moi. Il m'a dit, monsieur, écoutez, si vous voulez, on va vous mettre dans une chambre à part, vous pouvez vous allonger pour dormir. Donc vraiment, faites semblant d'être en train de crever. Allongez-vous, gardez les yeux ouverts pour faire peur. Vous allez voir, ça va être magique. Nous, étant donné qu'on n'a pas pu rentrer dans les urgences, on n'a rien vu de l'intérieur, on n'a eu que des échanges de textos et de coups de téléphone avec Lucas, mais il y avait un témoin à l'intérieur, son voisin de brancard qui a 25 ans aussi, et qui a été tellement choqué parce qu'il a vu l'agonie de Lucas en fait tout au long de l'après-midi jusqu'à la soirée, qu'il a écrit plusieurs lettres recommandées dès le lendemain, dont une au ministre de la Santé pour l'interpeller sur oui. Non mais le ministre de la Santé, on n'a rien à péter de la vie des Français. Hein. Qu'on se mette d'accord. Hein. Le ministre de Santé, le ministre de la Santé, lui, ce qu'il veut, c'est soigner tous les migrants de la Terre, mais pas les Français. Hein, à un moment donné. Parce que pourquoi soigner un Français qui coûte très cher, alors qu'un migrant qui est payé 500 euros, parce que c'est un esclave, on pourrait lui sauver la vie? Parce que les ministres, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Hein.
Alors Corinne, pardon, parce que vous parlez de Damien, le voisin de Brancard, justement. On a un extrait de son témoignage. Si vous le permettez, on va le diffuser. Alors on y va. Elle lui a dit mot pour mot que la crème qu'il avait mangée la veille n'était pas très fraîche. Et puis elle repart sans même l'avoir ausculté. Et je me dis non mais c'est pas possible. Il fait son malaise, deux infirmières passent à côté. Je vois Lucas qui gesticule beaucoup, qui se plaint, qui pousse même des petits gémissements. Il est dans un état où la douleur est presque insupportable. Et ils sont passés à côté quoi. Il y a une obligation de moyens, on vient aux urgences, c'est pas pour mourir quoi. Voilà, Damien, donc, qui était voisin de Brancard, c'est un témoignage recueilli par Marion Gauthier des RMC. Corinne, ce qui est terrible dans le récit de ce qui s'est passé, de ce qu'a vécu votre fils, c'est qu'à un moment donné, ils lui prennent quand même la tension. Elle est à 5,3, c'est ça? Et le médecin qui avait déjà vu Lucas lui demande si ça va. Bah, il dit non, ça va pas bien. Et le médecin lui dit oui, mais c'est pas un vrai 5,3. Et oui. Il part. C'est le témoignage de Damien, du coup, qui est. Alors, ma mère, une fois, elle a eu 7 de tension, elle s'est fait hospitaliser. Alors, c'était il y a 10 ans. Hein. Avec 7 de tension, elle s'est fait hospitaliser. Lucas, avec 5, on lui dit « ça va, c'est bon, arrête de te plaindre. » Et c'est bon, démarre-toi, guéris tout seul. Même pas de Doliprane, juste éveille tes chakras. Voilà, pense à notre Seigneur Jésus-Christ, et il va te guérir. Voilà, c'est fantastique. Qui était à l'intérieur des témoin de la scène. Avec complètement, bien sûr, puisqu'il était à côté. Enfin, il a halluciné sur la façon dont ça s'est passé. Donc, il y a quand même un médecin qui est dans le déni, en fait, qui pense que même quand il y a une très basse tension, c'est rien. Mais oui, je suis autant choquée que vous et que tout le monde. C'est incroyable, en fait. Hein. Ce médecin, d'après le témoignage de Damien, lui dira qu'il a mangé de la crème qui était périmée, sans doute, et lui demandera s'il fume de l'herbe, parce qu'il a des dreadlocks, et puis s'en va, voilà. Il est mort de quoi, votre fils, finalement? Il est mort d'un choc septique. Il est mort d'un choc septique, en fait. Okay. Et il y a une méningocoque, c'est ça? Un méningocoque? Alors oui, la bactérie qui a incriminé, c'est un méningocoque qui l'a attaqué, en fait, par l'abdomen. Et comme dans tous les cas de choc septique, de septicémie, le temps est primordial dans ce genre de prise en charge. C'est-à-dire que si Lucas avait été pris dès le départ et noyé sous les antibiotiques, il aurait peut-être pu s'en sortir. Enfin, je veux dire, tout le monde ne meurt pas d'un méningocoque. Le temps était extrêmement important. Donc il est arrivé à 15h30. 15h50 oui, précisément, 15h50, oui. Aux urgences, et il est mort à 2h du matin. Mais Corinne, le régulateur fait son travail avec le 15, estime que d'après le dialogue qu'il a avec Lucas, il vaut mieux le transférer aux urgences. Ce sont les pompiers qui l'amènent. Donc normalement, les urgences doivent se dire, on a quelque chose de sérieux. Moi, mon raisonnement, c'est celui-là, Corinne. C'était le mien aussi, c'est-à-dire que je savais depuis le départ que c'était urgent et grave à cause de cette intervention du 15 qui avait pensé qu'il était trop tard d'appeler, de continuer à attendre les soins de médecin, qu'il fallait y aller tout de suite en fait. Donc on savait que c'était grave, mais au niveau des urgences de l'hôpital de hier, ça n'a pas été pris en compte. Mais on nous a dit en commission que le 15 envoyait tout le monde en fait. C'est quand même complètement fou. Alors là, je suis sur mon téléphone. Donc apparemment, la méningocoque, t'as 10% de mortalité, donc c'est pas rien. Par contre, j'arrive pas à comprendre comment on attrape ça. On dit, ouais, bah, on peut l'avoir en le transmettant par la gorge ou quoi, mais comment tu as ça? Alors le mec, il a dit que oui, il a mangé une crème qui était bizarre, donc peut-être qu'il a mangé un aliment périmé et que du coup, ça lui a refilé une bactérie. Donc oui, il y a certains aliments périmés qui sont extrêmement violents. Apparemment, l'aliment périmé le plus violent, c'est la soupe périmée. Si tu vois des points blancs sur ta soupe, si tu manges ça, t'as genre 99% de chances de mourir, d'accord? Donc ne mangez pas de la soupe périmée. Et le moins pire, je crois que c'est la yaourt périmé ou un truc comme ça. Et voilà, selon les aliments, la péremption peut être plus ou moins violente. Bon, on va regarder les commentaires, puis on va se quitter sur ça. Ce n'est que le début, hélas, les urgences surabondées quand il y en a, le manque de personnel et la fatigue des équipes. Et surtout qu'il y a beaucoup de migrants qui sont en priorité absolue. Parce que forcément, quand tu accueilles 150 000 migrants pakistanais et qu'il faut s'occuper d'eux, il n'y a plus de place pour les Français. Mais heureusement, nous aurons un administrateur pour enregistrer le décès. Taux de personnel autre que médical ou paramédical.
France 33%, Italie 25%, etc. Bon, on s'en fout un petit peu. Si cela avait été dans un pays africain, on aurait dénoncé la pauvreté et la corruption des autorités. Et pire, dans certains cas, certaines institutions internationales et de droits de l'homme auraient été impliquées pour mener une enquête sur ces morts tragiques. Mais aucune organisation internationale ose dénoncer ces morts aussi longtemps qu'elles se passent dans des pays comme la France. Il faut maintenant cesser de donner des leçons de morale à l'Afrique. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!